Tu n'entends pas un bruit là? Si, j'entends. Vas-y, il y a des cambrioles au salon, oui. Faut aller voir. D'aller voir comment? C'est pas d'aguer l'homme. On peut tiens voir. Mais attends. Normalement, c'est pour le faire peur, non? Oui. Donc, faut aller. Genre, tu le dis quoi? Genre, c'est moi mon visa qui fait peur, quoi. Genre, quand on me regarde, il fait peur. C'est genre, beau, genre, c'est mon beau. Visa, là, ça fait peur. C'est ça, beau, non? C'est beau, c'est beau. Quand même, discours, hein. Attends. Réfléchis bien, Ryder. S'il y a des cambrioleurs chez moi à la maison à 7h, c'est qu'ils sont venus forcément pour quelque chose. C'est évident que ça soit pour l'argent. Gèle là, par terre, là comme ça qu'ils vont venir, ils vont vouloir prendre mon argent. Ils vont glisser, ils vont tomber, la nuque va taper le sol. Comment ça, on n'a pas cherché la voiture à l'attraper? Tu as des glissés, gèle, ils vont lui tomber. Comment ça, on n'a pas cherché à l'attraper là-bas? Quand ils sont des glissés, gèle, ils vont venir tomber, ils vont casser la nuque. Laissez-la partir. Ne l'emmenez pas à tout ça. J'ai de l'argent dans mon placard. Si vous voulez, prenez tout ça. Mais laissez ma femme partir. On dirait que t'aimes bien ta copine. Oui, je l'aime. Je l'aime. Épargnez-la, s'il vous plaît. Mais la question est, est-ce qu'elle t'aime aussi? Elle m'aime. Oui, tu m'aimes. Elle s'aime. À toi. Tu l'as et tu auras la vie sauve. Tu l'as tué. Immédiatement. Non, je peux pas. Je peux pas faire ça. Je peux pas. S'il vous plaît, laissez la partie. Ne l'amenez pas tout ça. Plaisanter. Madame. Allez-y. Allez-y, tuez-le et je vous laisse partir. Vas-y bébé. Vas-y. Si ça peut te sauver, tue-moi encore. Vas-y. Vas-y. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. T'écoutes ça? Elle croyait qu'elle était morte. Figure-toi que tout ça c'était pour monter. Assaf me disait il y a quelques jours que ma femme me trompait. Que tu me trompais.
pour avoir le cœur net. On a manigancé ce plan-là. Et je salue le génie d'Asalfo qui a imaginé le plan parfait. Et tu es tombé dans notre piège. Pas moi ça. Eh hey, Dieu. Tu as tué. Oui. Mais vous étiez complice, non? Oui. Mais je suis venu ici pour un but. Lequel? Toi, Palmela. Moi? Pourquoi? Je comprends pas. Je t'aime. Et je t'aimais depuis longtemps. Mais ça me faisait mal de te voir avec ces deux petits guignols. Donc, tu as deux choix. Soit tu restes avec moi, tu vois la vie sauve. Ou soit tu décides de ne pas m'aimer. Dans ce cas, tu vas rejoindre tes deux amours. Je t'ai toujours aimé. À chaque fois que je te voyais avec mon mari, je te regardais à chaque fois, tu vois. Je t'aimais, mais je me disais que tu ne m'aimais pas aussi. Ça me fait plaisir de voir ça. Il y a quelque chose qui me traverse. Dis-moi, parle-moi, c'est quoi? Et si les gens nous voient ensemble, ils diront que c'est nous qui avons tué mon mari. Donc ça, c'est bien souci. On peut s'enfuir, aller dans une autre ville. Vivre la vie qu'on veut. Qu'est-ce que tu en penses? T'as même d'accord avec toi. Thank you.